Et eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Celestia saison 2. C'est l'épisode 5, si je ne me trompe pas, oui, vu qu'il y a eu un épisode supplémentaire mercredi. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, on va un petit peu en reparler vite fait. Vite fait, vraiment, je vous jure. Avant toute chose, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas bien évidemment à liker, et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ça vous permettra bah, de louper aucun épisode et de pas me dire, Mais dis donc, Magic, ils sont où tes épisodes Ah, ils sont sortis, il faut juste euh, activer la petite cloche là. Ding ding Bon, mesdames et messieurs, je tourne cette vidéo juste après la sortie de l'épisode 4. Où je fais une petite story time pour vous parler d'un petit problème qu'il y a eu sur le serveur, qui a été réglé bien évidemment, mais du coup vous avez été beaucoup à réagir à tout ça, vraiment je recontextualise pas du tout hein. vous allez juste voir l'épisode 4, vous saurez tout dessus voilà j'ai vu des gens qui commencent à insulter Jérôme etc, il faut pas en fait, genre c'était pas le but précis, je voulais raconter juste une histoire de ce qui s'est passé quand je n'étais ni en record ni en live, du coup vous avez pas pu voir et deuxièmement je rappelle que le problème c'était pas de me faire pranker, après là c'était une prank un peu spéciale parce que bon de la destruction c'est pas vraiment une prank, c'est plus du griffe et... Méchant, mais vu que c'était un admin, donc il pouvait tout remettre en place, donc là il y avait vraiment aucun souci. Moi je partais juste du principe que les pranks faites par un admin en game mode, c'est ça moi qui me dérangeait et c'est pour ça que j'ai ragé. Si c'était un autre joueur, ça aurait été différent. Regardez la prank de Sifano, je l'ai bien accueilli, et au contraire, on a répondu, on s'amuse entre nous. Et c'est ça qu'en fait que je veux avoir avec une personne qui me prank. C'est que je puisse lui répondre et faire des échanges en fait. Là malheureusement, ce n'est pas possible parce que c'est un admin. Bref, en tout cas, on arrête de parler de ce sujet. Tout va bien, au contraire, on a réglé les soucis, on en a parlé en nous, maintenant, on passe à autre chose. Bon, du coup, mesdames et messieurs, vous en pensez quoi de mon portail du nether Alors oui, j'ai travaillé sur ce projet ni en stream ni en record. C'est quelque chose que je me suis fait tout seul parce que voilà, j'aime bien faire des intros un petit peu où je vous présente bah, un nouveau build. Et comme en dernier, ces derniers temps en stream, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai fait d'autres petites choses, un petit peu à droite, à gauche, du farming d'enchant etc. Aussi la préparation du dragon. D'ailleurs, il y a un petit best-of du dragon qui sortira la semaine prochaine normalement parce qu'on a fait ça en stream sur Twitch et du coup, je me suis dit un petit best-of. De cette soirée, ça pourrait être sympa pour les gens de YouTube. Et du coup, voilà, je me suis lancé sur ça. J'ai commencé un petit peu à faire. Donc, j'ai essayé de respecter un petit peu le côté très glacé. Donc, c'est un peu un, voilà, un portail des glaces. Il n'est pas du tout. Terminé. En fait, j'aimerais encore faire des peut-être une petite structure en bois, comme quoi on tiendrait la glace qui est au-dessus parce qu'on a creusé dedans pour ouvrir un portail, un petit côté RP, etc. Donc voilà, c'est une première version. J'en suis assez content. Les gens m'ont fait des bons retours en tout cas pour ce qui est des gens du serveur. Et donc on verra ça plus tard pour l'améliorer. Il y a aussi une, une nouvelle tour qui est apparue là-bas, comme je vous l'ai dit quand on avait fait ça là dans euh, l'épisode 3. Je vous ai dit que j'allais faire une autre tour juste après. Et du coup, je l'ai fait euh, en live. Vous avez sûrement dû la voir un petit peu dans l'intro, mais bon, c'est très clairement la même que celle-là, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous commençons une partie importante du projet. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous, avons nous allons commencer à travailler sur le village de Glace. En fait, comme je vous l'ai dit, là-bas, c'est un petit peu le quartier, on va dire, des ouvriers. Il y a des gens qui m'ont dit un petit peu, euh, et il y a des commentaires très intéressants sur l'épisode 3, donc on peut appeler ça le quartier des ouvriers, des travailleurs. Et ici, c'est un quartier un peu plus riche, vraiment un quartier d'habitation pour tout ce qui sont les, les guerriers, etc. Mais je vais replacer quelques petits points du RP grâce à un commentaire très intéressant. Alors, c'est Sébastien et il y gêne, j'espère que je vais pas trop écorché ton prénom et euh, nom de famille. Vous avez son commentaire qui s'affiche là, dont je vais vous lire, c'est « Chez les vikings, tu as les nobles, entre guillemets, principalement allemands des guerriers qui ont fait preuve de bravoure au combat. Ils possèdent pour la plupart soit des troupes, ou des bateaux, l'équivalent chez nous d'un vassal, ils ne répondent de leurs actes que devant le jarl. Il dit toi, donc c'est moi. Apparemment, je serai le jarl. Donc, faudrait que je fasse ma maison. D'ailleurs, un de ces quatre qui a la plus grosse maison de la tribu. Et les hommes libres, hommes de la tribu, fermiers, soldats, mineurs, marins, constructeurs, ils ont le droit de posséder des esclaves comme des comme les nobles, mais ne peuvent pas prétendre à aucun trit dans la tribu. À cette époque, ce qui change de chez nous, c'est les esclaves vivent dans la même maison que leur maître et sont pour la majorité bien traités, car ils se retrouve seul avec les enfants quand le père ou la mère et les deux partent à la guerre. Ce commentaire est très intéressant et il approfondit un petit peu le RP. Ce que j'aime beaucoup c'est que du coup je vais pouvoir un peu, di un peu voir différemment certaines maisons de, du quartier des, bah, des gens libres on va dire qui sont pas forcément euh, les nobles donc qui sont pas forcément guerriers ou qui ont des troupes sous, euh, sous leurs ordres. Et du coup travailler aussi ce village donc on peut se dire qu'il y a un quartier plus riche et un quartier plus pauvre qui est là-bas. Et du coup peut-être voir des maisons à côté des maisons peut-être avoir des petites cahutes un petit peu euh, moins en dur qui seraient peut-être pour les esclaves qui sont au final pas vraiment des esclaves parce qu'ils habitent vraiment avec leurs maîtres etc donc c'est assez intéressant et j'ai beaucoup aimé ce commentaire et ça, ça m'aidera vraiment pour la suite mais en fait je vous rappelle quand même qu'on a une dimension un petit peu magique euh, dans mon biome que je voulais apporter et du coup c'est un petit peu voilà c'est pour ça que c'est le village de glace que il y a un portail du nether dans de la glace donc il y a un côté il y a un côté magique autour de la glace qui est en train de se passer ici et du coup on va jouer pas mal sur ça et j'essaie d'avoir un rp assez libre et on l'a au fur et à mesure on essaye de le travailler un petit peu comme on en a envie, moi je le travaille à ma sauce, on se prend vraiment pas la tête sur ça et je pense que pour la plupart des gens vous vous en foutez un petit peu, vous regardez juste si la construction est belle et vous êtes content. Mais aujourd'hui on va commencer à travailler donc sur le village des glaces, on va d'abord travailler sur une maison ici qui sera une maison, 1. je pense que ça, ça va être le modèle de maison le plus grand qu'on pourra avoir sur, sur mon biome, après bien sûr il y aura la maison du Yarl hein, qui sera là-bas dans, dans la petite presqu'île qui est juste là je vais vous la montrer, qui sera juste là et qui sera juste énorme donc ça a rien à voir vu que le Jarl c'est moi apparemment je vais en profiter pour me faire une petite maison bien sympathique mais ici dans le village du coup il y aura des maisons un peu plus grandes un peu plus petites il y aura même peut-être quelques travailleurs qui seront par ici par exemple un, un petit stand pour un boulanger des petits trucs un petit peu à droite à gauche et du coup on va travailler sur cette maison là pour commencer cet épisode et cette construction je vous propose qu'on ne la fasse pas en timelapse aujourd'hui mais que plutôt on le fasse à une vision un peu surélevée avec le compte secondaire que vous voyez build au fur et à mesure et que je vous commente un petit peu mon build ça change un petit peu de tous les épisodes où il y a forcément que des timelapses et après on se fera une petite maison à côté, et on travaillera sur un petit truc que je verrai vite faire en time lapse. Comme ça, vous aurez votre petit time lapse que vous aimez bien dans, dans l'épisode. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve donc pour la construction. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai un pattern assez assez simple pour mes maisons qui est très simplement on fait des piliers comme ça un petit peu partout, vous allez voir c'est très simple donc je me suis déjà fait un petit pattern au sol pour respecter un petit peu ce que j'avais fait dans l'autre village de l'autre côté là-bas, et du coup le pattern était ainsi, pour la façade, on a deux blocs ici, il y aura la porte, on passera par là, à l'intérieur là-bas on avait de la cobble là ce sera de la stone lisse cette différence un petit peu euh, entre nobles et, euh, et peuples libres, comme nous a dit euh, Sébastien et ensuite devant chaque pilier il y a bien sûr ces escaliers en stone brick qui viennent un peu bah, maintenir toute cette structure, et ensuite nous avons une poutre pour terminer. On a également des escaliers en stone brick sur les deux piliers du centre pour donner un petit peu de relief et raffaire à un petit rappel de pierre. Et également des escaliers en stone brick de chaque côté. Et on termine le tout avec un petit passage de smooth stone et on obtient un petit peu le pattern de base. Si j'oublie pas des blocs, c'est mieux. Et je pense d'ailleurs pour ces constructions, je vais faire quelques petites modifications dans certains détails. Je vais regarder ça au fur et à mesure. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pars indirectement un peu plus en freestyle. Parce que j'ai le pattern des maisons du, du village qu'on a pu faire là-bas. Mais celui-là, on essaye de l'adapter pour qu'il soit un petit peu plus riche. On n'oublie pas, bien sûr, les petites fenêtres qui font un petit rappel de bois. Et je pense que déjà, on est déjà bien. Voilà, parce qu'on ressent que voilà, c'est un peu plus lisse, un peu moins brut pour ce qui est de l'intérieur. On a cette roche lisse qui vient un petit peu rappeler une pierre un petit peu plus travaillée que celle qu'on peut retrouver là-bas mais qui reste dans l'esprit de ce qu'on a pu faire là-bas. Maintenant, on se retrouve à l'intérieur. Donc derrière, ça continue exactement pareil. Là, on monte de 2 ici et ensuite on a un écart de deux. donc comme vous pouvez voir, on rentre un petit peu dans une montagne. C'est parce que j'aimerais bien dans cette maison faire un petit passage secret qui emmène dans une petite grotte derrière. Du coup, c'est normal qu'elle se chevauche légèrement avec la montagne. Et je pense d'ailleurs, si on regarde un petit peu ce que j'ai fait, c'est pas pas assez profond. Hein. Attendez, le pattern que j'ai fait est peut-être pas forcément bon. On va se laisser 3 d'écart Ici, c'est toujours deux au centre, hein, c'est parce que c'est un détail qui va, et du coup, voilà le premier pilier. Le prochain pilier se retrouverait ici. Très bien. Et là, on a juste à fermer comme ça. On fait donc pareil de l'autre côté. Donc là, vous devez un peu moins voir parce qu'il y a le high spike juste dessus. Mais j'aime bien aussi que ça, le high spike se chevauche un peu direct, indirectement sur, euh, sur les constructions parce qu'on rappelle que c'est bah, le village de glace. On va l'appeler le village des glaces. Ça me semble plutôt pas mal. Je viens aussi rajouter des petites touches de slab un petit peu à droite à gauche avec dans un bois bien plus clair que ce que sera le toit. Et ça vient donner du contraste. Et surtout, j'aime bien cette nuance de bois clair qu'on utilise aussi à l'intérieur des façades après pour les étages supérieurs. Là, on repasse sur la vue normale pour vous montrer cet endroit-là. Comme vous pouvez le voir, bah, ici, on est très clairement bah, quasiment à côté d'une butte. Donc là, ça va venir remanger avec du terraforming. Donc, je m'attarde pas sur les détails vu que ici, on va venir recouvrir. Et je voulais vraiment qu'elle s'encastre dans la montagne, bon, dans la montagne si on peut appeler ça une montagne. Hein, vous voyez ce que je veux dire Mais après, donc, quand on aura le toit bien plus haut, lui s'encastrera bien tout là-haut. Et ici, ça, on fera du terraforming pour reprendre un petit peu le, le terrain. Donc même ce pilier ne sert à rien et même ça, en soi, on perd des ressources pour rien. Et là, on peut totalement fermé en fait. C'est pareil de l'autre côté, là il y aura de la glace ici, mais j'ai laissé cette petite fenêtre parce que là la glace sera juste en dessous et enfermera comme ça, et là, on peut avoir une petite ouverture et d'ailleurs, tant qu'on y est, mettons voilà, ce qu'il faut pour euh, les fenêtres. Repassons maintenant sur une vue aérienne. Donc à chaque fois qu'on monte d'étage, il faut mettre une slab de chaque côté et continuer à monter comme ça. De chaque côté, ce sera à peu près la même chose. Je crois qu'il y a un petit peu de lag sur le serveur, donc des fois je fais une action mais sur le compte caméra, ça se passe 5 minutes après quoi. Ok, donc là on a juste à rejoindre ces deux faces là. Et ensuite, spécificité de cette maison, elle sera de 4 étages. Parce que là, si je fais ça, c'est déjà une maison à 3 étages. Nous avons le niveau le plus bas tout en bas, le niveau juste ici et le niveau de là qui sera dans le toit. Et donc là, on va encore monter. Et j'ai jamais fait ça encore dans mon biome. Donc on se redécale encore de 1 ici avec une slab et on monte de 4. Et bien sûr, on ferme avec une poutre tout simplement. Maintenant, bien sûr, il faut que je ferme des deux côtés pour arriver jusqu'à la montagne. Donc ça, hop. C'est très simple, on a juste à suivre le premier et ça s'arrêtera un petit peu dans la montagne comme si la poutre se tenait dans la montagne. Et là, pareil de ce côté-là. Donc ici, un petit peu plus de complications parce que là, bah, comme vous pouvez le voir, on va passer dans le Spikes. En fait, le Spikes... Je ne savais pas à quel point il fallait que je le coupe. Donc là, c'est très simple, je le sais. Et en fait, il s'arrêtera vraiment au, au rebord de la maison. En fait, il sera vraiment collé comme s'il mangeait un petit peu la maison. Donc là, je sais. Il fallait que je construise pour savoir où m'arrêter. Voilà, donc là, mesdames et messieurs, nous avons la structure globale, un petit peu de notre maison. Maintenant, on a juste à faire les intérieurs ici. Donc chaque façade, ça va être très simple. Pour la première façade, nous restons sur quelque chose de très simple. Et je pense que même pour au-dessus, ça va être pareil. Là, ça fait une sorte de petit balcon. Et je rajoute des petits détails en plus en pierre pour vraiment montrer que cette maison est un petit peu plus riche que ce que l'on. On peut trouver de l'autre côté là-bas. Vous êtes où Ah vous êtes là. Coucou c'est moi. Alors, je suis un peu perdu d'avoir de, de passer. En fait des fois je vous montre des trucs euh, comme ça avec ma tête, je suis en mode regardez, regardez, alors que bah vous voyez pas les mêmes choses que moi, mais bon, vous m'avez compris quoi. Ensuite pour au-dessus ça va être relativement similaire. Ça m'a juste permis du coup ici avec une largeur de plus bah, d'agrandir un petit peu indirectement hein, les, les petites fenêtres qui sont là. C'est plutôt pas mal. On n'oublie pas les petits détails en pierre dans les coins pour faire du maintien. Et je pense même d'ailleurs pour des petits détails, vu que là je mets une slab juste en dessous, je peux en mettre aussi au-dessus pour bah, montrer voilà, que ça, 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 ça tient bien. Je suis tombé, hein, tout va bien. Vous inquiétez pas, regardez, je reviens dans le cadre. Coucou, les échafaudages, c'est trop bien, c'est la vie, c'est génial. Mais voilà, ça refait ça du maintien, ça fait du détail en pierre et c'est assez important. Et je suis encore tombé. Ensuite, toujours des petits détails en bois à droite à gauche qui viennent ajouter un petit peu de contraste avec même le bois un petit peu plus clair et maintenant la touche finale qu'on faisait aussi de l'autre côté c'est des, des petites touches rouges comme ça avec un petit peu des lanternes alors à voir où on les met parce que là très clairement c'est pas là qu'il faut les mettre, on passe sur cette vue là aussi, hein. on change un peu hein. on teste le principe aussi de construire comme ça et voilà ça vient rajouter un petit peu de lumière comme, comme quoi on voit qu'en haut là d'avoir rajouté un petit peu des slabs à droite à gauche on pourrait faire la même chose ici aussi, enfin, si on les aligne ici qu'on en met une au centre ouais, ça rajoute pas mal de cachet, c'est plutôt sympathique. On peut mettre des petits détails en bois comme ça et des petits détails lumineux. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai pas vraiment la place de mettre des lanternes ici. Ah ouais, dommage. Bon, peut-être que là pas de la lanterne. Alors qu'en haut, peut-être. Ça va être dans l'alignement d'une fenêtre, mais c'est pas très dérangeant. À voir. Ah, sinon on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, ça me semble mieux. Ça rajoute un peu de relief et pareil en haut, mais décalé de 1. Voilà, juste ici, c'est parfait. Et voilà, on casse tous les échafaudages. Et voilà du coup ce que donne cette façade. Alors, moi j'aime bien ce côté un petit peu en V qui monte. Ça rappelle bah, V, Viking. Euh, ça va, hein, ça va très bien ensemble. Hein. Donc maintenant, bien sûr, il faut faire les autres faces. Ça, je vais le faire sans vous vous montrer parce que vous avez vu la, la première façade. Et ça, là, sont moins importants du moment bah, où indirectement il y aura un petit peu de la terre qui va venir manger tout ça. Et voilà, mesdames et messieurs, du coup, j'ai fini tous les détails un petit peu sur toutes les façades. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup cette première maison du village de glace. Ce que je vous propose maintenant, mesdames et messieurs, c'est de partir sur un petit time-lapse pour le toit ainsi que la deuxième maison qu'on fera aujourd'hui dans cet épisode. Et cette deuxième maison, ce sera juste Juste là une toute petite mini Rikiki maison à côté de cette grande maison. Mais voilà, il faudra en enchaîner plusieurs des grandes, des petites. Du coup, mesdames et messieurs, nous sommes partis pour un petit time lapse. Let's go. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve. Les maisons sont donc terminées. Du coup, je suis assez content de ce que ça donne. Et j'aime bien ça là. Elle est très très massive. Et je pense qu'il y en aura pas beaucoup des très très massives comme ça là. Il y aura aussi pas mal de petites. Et ça va venir s'imbriquer un petit peu l'un sur l'autre, un petit peu partout dans cette partie du biome. Là, par exemple, il y aura une petite encore ici qui sera cachée un petit peu derrière les spikes. Après, voilà, il faudra créer plein de petits chemins. Il faut que ce soit assez étroit. J'ai envie de faire un truc qui se mange un peu l'un sur l'autre, et ça peut rendre très sympa. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite Vous allez voir, j'ai tout dans la tête. Alors, en fait. Ici, pour moi, ce sera plus une place. Je vais essayer de garder cet endroit assez place. C'est pour ça que je voulais une grande maison bien fatos au niveau de la place un petit peu, je vais pas dire principale, mais voilà, on se comprend. Du coup, il y aura une place ici. Là, je vais essayer de faire des maisons un petit peu en hein, bord de mer. Là, on va dire que c'est les, les mieux placés, hein, qu'on se le dise. Ensuite, ici, donc des chemins. Alors là, pourquoi il y a de la cobble dégueulasse euh, ici Très clairement, en fait, c'est juste que j'ai délimité le passage d'une rivière. Donc j'aimerais bien une sorte de rivière un peu gelée qui va se déverser. On adore le redémarrage du serveur. Donc je disais qu'il va se déverser dans la mer juste là. Donc, on adaptera bien évidemment la fin ici pour que ce soit encore cohé cohérent. Donc, il y aura un petit pont qui passera par-dessus. Là, il y aura peut-être une petite maison ici. Voilà, il y a plein de petites choses qui sont prévues déjà pour le début de ce village glacé. Ce village de, de glace, je sais pas comment. Dites-moi un peu dans les commentaires comment vous voulez qu'on appelle cette partie. Voilà, si vous avez des idées, je suis toujours preneur. Et ensuite, ça continuera le village un petit peu partout avec donc différentes maisons. Donc, là, c'est un type de maison, un type de design. Je vais essayer d'en faire des nouveaux, de voir un petit peu. Voilà, s'il peut y avoir des maisons avec devant des. Je sais pas, comme des boutiques, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours aussi un channel sur mon Discord qui s'appelle Idée Célestia. Dont vous pouvez poster des idées, des petits bulles que vous faisiez. Il faut que ce soit en rapport, bien sûr, avec les maisons que j'ai déjà faites. Voilà, peut-être un design de boutique, on ne sait pas. Avec un petit, un, une petite tenture devant, et voilà. Et n'hésitez pas à proposer. Et par la suite, on habitera les hauteurs avec des. Moi j'ai. Oh, mais. Nina est moche, mais comment ça, s'il vous plaît, monsieur Fano, là, il y en a partout. J'aimerais bien faire une maison tout en haut qui soit une sorte de tour des mages. Vous voyez, il y a plein, plein d'idées qui commencent à se, à se dessiner grâce à ces premières maisons qui commencent à se placer gentiment. De toute façon, il fallait commencer à en faire pour ensuite continuer. Bien évidemment, j'avancerai aussi en stream. Peut-être que, par exemple, la place, c'est n'est pas quelque chose de très intéressant. Ce sera fait en stream. La petite rivière aussi. Je verrai. Twitch.tv slash MagicTub. C'est toujours au même endroit. N'hésitez pas. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Nous, on se retrouve dès... Dimanche prochain pour un nouvel épisode et dans la semaine, normalement pour un best-of de l'event dragon que nous avons fait cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et pour louper aucune vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.